Et salut à tous, salut bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les étoiles de l'e-sport. Bienvenue. Comme vous pouvez le voir, je suis avec mon ami Alderiat. Oui, c'est moi, le représentant du Brésil et de Path of Exile. On va déjà peut-être expliquer le concept des étoiles de l'e-sport. Oui, c'est vrai. Là, pour ceux qui ne connaissaient pas les étoiles de l'e-sport, on va analyser et caster des games de fer 4. Donc littéralement l'équivalent de challenger du bas du tableau. Il faut savoir que c'est impossible de trouver une game avec 5 fer 4 contre 5 fer 4. Il y a forcément un ou deux bronzes dans la game. Et bah forcément, c'est les Ailu, ils vont avoir l'air de smurf par rapport au fer 4. On va partir du coup sur la première game, on va spectate le Draven, c'est le Draven que j'ai trouvé. J'ai jamais vu, tu m'avais pas dit qu'on avait des moyens comme ça pour les tableaux de sport cette fois-ci. Oui. On a une draft comme c'était un match de compétition. Exactement. C'est dingue. On n'a pas accès au ban malheureusement. On n'a pas accès au ban, mais tu vois la liste des champions, tu connais pas trop le concept. Bon, il y a un problème, il y a Yurik Top, il y a Ezreal Support, il y a quelques petites arnaques, mais tu pourrais presque croire à une game de compétition. Bah oui, et surtout, c'est vrai qu'à part le Ezreal Support et le Vel'Koz, bon, c'est vrai qu'on voit pas trop. On est presque sur une draft extra large. Ouais, mais c'est pas si choquant. Alors que Ezreal Support, ça c'est de la merde. Mais nous sommes rentrés dans cette première game. Donc on va spectate un fer 4 très LP qui n'est pas le plus bas possible parce qu'on rappelle que c'est 0. Ouais, d'accord, donc là c'est l'élo du mec qu'on est en train de spec, c'était ça que je voulais comprendre. Oh, le flash. Ça commence très fort et le first bot qui est récupéré, le Ezreal qui commence directement dans la panade. Très là. Franchement, je suis étonné que où est le niveau 1. Bah oui. Et ça m'étonne que tout le monde soit sur sa lane, qu'il n'y ait personne en train de chill au spawn. J'allais dire il y a le Ezreal, mais non, en fait il vient de mourir. Eh oui, le Ezreal vient de mourir, du coup il chill au spawn après son respawn. I'm Astroid qui lui est un véritable AOP qui fait tourner CH de Draven. Donc lui c'est la personne que j'ai sélectionné, un vilain winrate de 34% et un average CS de moins de 3. Ou attention, un gang sur Jean Bomber sur la mid lane et on va flash out. Hein. Très très bonne réaction de Jean Bomber. Oui, très très bonne réaction de Jean Bomber. Et Jean Bomber qui place le poison. Oh, attention. Là, il y a peut-être quelque chose. Oh, c'est bien vu. Narcus sur Satyana. Narcus qui récupère le kill et qui va enchaîner sur le carapateur. Oh, c'est bien vu, Narcus, hein, qui nous prouve encore une fois que l'expérience est supérieure à tout dans League of Legends, supérieure même aux mécaniques de jeu. Oh, peut-être un solo kill qui démarre sur cette top lane. Oh, les clics. Mais Yurik est hésitant. Pourquoi est-il Yurik est timide, mais il a fini par vaincre l'homme crabe. Yurik, l'homme crabe était très timide également. Hein. Et regarde le passing qu'a pris Xayah pour revenir de sa lane qui est donc la bot lane. Pourquoi est-elle passée par la jungle, raid et par la mid lane avant ça? Alors ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en compétitif. En fait on cover la mid lane. En fait on passe par la base et on cover la mid lane et après quand on se rend compte que bah en fait il n'y a rien à faire sur la mid lane, et ben on retourne bot. Ne penses-tu pas que cette Xayah est un imposteur du coup? Peut-être. Au vu de son farming je ne pense pas. Oh, faut réactiver. Oh là là, Jean Bomber qui aurait peut-être pu claquer oui à l'Ignite avant. J'ai vu la Cassiopeia s'arrêter, je me suis dit, elle attend pour bien placer ses poisons, cliquer l'Ignite au moment où laquelle y apparaît sur son écran, juste avant qu'elle meure. Mais non, il a chill. Il a chill, attention, les bestioles qui font très mal de Yurik. Philippe qui déco pendant ce temps-là sur cette action. Philippe qui a du mal, hein. il a les deux kills de son équipe, hein, Philippe. En vrai, j'espère que Philippe va roco. Après, très sincèrement, même en 4v5, je n'ai aucune crainte qu'il nous assure un beau spectacle. Et Philippe est revenu. Le revoilà. Le revoilà, la légende. Le revoilà, pas de souci. Philippe qui va acheter ses items et qui va se diriger vers le bot side. Là, normalement, l'internet a été fixe. Plus personne ne télécharge de films à la maison. Oh, et non, il a décidé de partir à nouveau. Ça devait encore laguer. Oh, Ezreal qui touche tout. Ce serveur ne lui convenait pas. Ok, une offensive, on profite du spike niveau 6. Ah, le R peut-être. Ça revient. Oh, c'est bien joué, mais qui est ce smurf? Mais qui est? Non, mais franchement, il a bien joué aux limites, le petit Perviego là. C'était très bien joué, et sur la top lane? Bon, tout est relatif, bien sûr, bien joué compte tenu du niveau de la partie, mais compte tenu du niveau de la partie, c'était bien joué. Et cette Xayah en 3-0, Diana, pardon, complètement overfeed. Ah là, elle est ingérable. Ouh. Ça fait un double rush le breaker en top lane. Oh mon dieu, c'est un véritable carnage. Oh là là. Et Philippe qui se reconnecte encore une fois en pleine action. L'arrivée de I'm Astroid. Ok, on évite les flèches. Le fascine, on prend que le conquérant. Il faut éviter les plumes. Dommage. I'm Astroid en mode boom. Alpha, fuck. Et pendant ce temps-là, Yorick en top lane. Solo kill sous tour. J'ai comme l'impression que ce Yurik arrive à se battre contre sa timidité maladive. Plus la game avance. Oh, ce Yurik qui a déjà ça va très bien se passer pour ce Ezreal, c'est sûr. Aïe. Toto Coco Pro qui fait les moves. Toto Coco Pro qui n'a pas utilisé son ultimate encore, ça pourrait partir à tout instant. Oh, attention, le DPS de cette Cassiopeia violent. Oh mon dieu, Toto Coco Pro. Mais où la flaque? Et ça récupère.
La flaque était posée, j'avais mal vu, my bad. Oh là là là, le GGS tombe. Et il revient, et non. Aïe aïe aïe, on a du mal hein, pour ce Ezreal 0-6. Ah, c'est compliqué. Par contre, cette Diana qui était en 3-0-0 a décidé de troll stuff. Troll stuff. La la la. Elle a décidé de troll stuff un coup, elle s'en troll une petite. Oh, en top lane. Il faut qu'il temporise. Il faut temporiser le R de Yurik. Aïe 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 aïe, c'est un vilain burst qu'il se prend. Oh, mais il va pouvoir s'attraper avec la cage. Il faut temporiser le petit Urgot. Il peut, je pense qu'il peut. Dur. Les 550 gold qui sont pris de la part de ce Urgot et la lane qui va être push est certainement une bonne partie des plaques. Urgot, ça défonce les tours. Ah là, il faut push là. Mais sur le bot side, on voit toujours Philifil en place, 2-0-0. Des il est là. De Dark Harvest. Il est là, au calme, que dalle, impactless. Je sais pas s'il est dans la partie. Un vrai joueur de belle cause. Il est là. On l'a pas vu. On sait pas s'il est là. On sait pas s'il est là. Il a un bon KDA, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là? On sait pas. Oh, sur la minette. Oh! Attention, la cage qui a touché. Enfin, la cage. Le stun qui a touché. Et malheureusement, il semblerait que la flaque soit considérée comme un CC à low elo. Ah, oui, j'ai comme l'impression que cette Akali a pris la flaque et a refusé de bouger par la suite. Je pense qu'elle est sur la flaque en train de spam ses touches et de se rendre compte que rien ne faisait. Peut-être qu'elle ne le savait tout simplement pas. Cassiopeia est un perso peu joué, nous sommes en Iron. C'est certainement des gens qui ne connaissent pas l'intégralité des champions du jeu. C'est très probable, il était là, mais peut-être qu'il ne comprenait pas. Il a peut-être suspecté une déconnexion. Non, mais par contre, Philifil va bien décoroco dans cette game. Philifil nous emmerde. Hein. Pour cette équipe rouge, la Kali très très ambitieuse. Le flash in de Ezreal, et ça va pas tomber. Ouais, aïe 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 aïe, cette Akali qui était très très bien, mais qui là m'a l'air en difficulté. Et ce Yurik autoroute. Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Le flash! L'attaque de Xayah! Ce Draven, hein, il est très très L9 et très très autoritaire sur ses flash-in. Ah ça, il n'hésite pas à montrer qu'il est le alpha de cette fight de l'invocateur. Ça c'est bien vrai. Il est très. Oh attention, le route qui va pas. Bon flash! Ah mais il a un ghost, Ezreal, je n'avais pas vu, il est là pour la mobilité. Ghost est un sort d'invocateur super plaisant à jouer, mais je ne pense pas que Ezreal soit le personnage pour en tirer profit. Oui, ça c'est bien vrai. Oh Toto Coco. Oh si la Akali ne faisait pas son dernier air, moi, cette Diana avec son Conqueror, j'y croyais. Bah oui, hein, parce que Conqueror style. Mais aïe, il chill. Aïe aïe. Il chill. Il vient de chill. je crois l'avoir vu chill. Non mais gros, je viens de le voir sous mes yeux là, il a chill à l'instant. Il a chill en pleine guerre, en pleine roquette. En pleine roquette, c'est quoi ça? C'est un truc de ouf. Oh c'est dingue. Oh là 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 là, ce flanc qui ne passe pas du tout. Je pense que Viego n'est pas satisfait du follow de sa team. Le stun qui passe, il a mais ce Yurik est intombable. Oh mon dieu non. C'est un Golgoth. Il est intombable. Mais ce Juggernaut est seul dans la backline. Il flash out, mais personne ne s'en finit la Kali. Toto Coco Bro. Mais là pour le coup, cette équipe bleue qui commence à être en déroute, hein, elle était tant devant et là qu'est-ce qu'ils ont? 3K gold d'avance, un dragon, et un dragon de quoi? De la montagne, le plus pisseux d'entre tous. Il chill. Attends, il chill. Oh, il est en droit chill. Il chill là. Il est en droit chill au blue buff. Le Ezreal chill. Oh là, c'est bon, il a arrêté. Big dédicace à Ezreal le chiller. Big dédicace. Et on est ensemble, mon gars, en gros. Grosse dédicace à Ezreal qui chill. Comme tu peux voir, Vel'Koz 3-2-3, KDA. Correct, utile, même zéro utile. Même bon KDA, mais c'est vrai qu'il est complètement inexistant. Mais en fait, je me suis fourvoyé sur cette Xayah chat. Tu m'envoies désolé. Xayah joue en fait vol de vie. C'est une Xayah vol de vie. Oh, c'est très bien vu. Oh, la téléportation. Oh, la c'est une très bonne TP. Oh, ça annonce du mauvais, ça. Ça, c'est pas Jojo. Oh, ça, c'est pas Jojo. Mais qui arrête ce Yurik? Est-ce que Est-ce que tu penses que Philippe va arrêter ce Yurik? Je ne crois pas. Si, regarde. Regarde-le. Oh non, il a pas réussi. Oh non. Mais ulti de dissuasion massive. Tu sais, il était là avec son laser. Il balaye la map. Je peux te dire que la wave a bien été claire. Attention, il a loupé son Q. Je l'ai vu, il a chill. Il a chill sur le nageur. Il a loupé son Q, il est mort du nageur. C'est gênant. Un malaise dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des icons malaise dans le chat? La résistance magique me semble être délaissée comme pas possible. C'est comme si il connaissait l'armure,
mais pas la résistance magique. Oh, les lourds dégâts de Suric. Mais oui, c'est vrai que la résistance magique est complètement absente. On manque de respect à Toto Coco Pro. Mes excuses, il y a un bout du rouleau qui a été complété par ce père Viego. D'ailleurs, sur ce patch aussi, est-ce que la Malmortus c'est pas clairement mieux sur Viego? Oh, la Malmortus c'est quand même sacrément forte en ce moment, mais Viego fait des doubles auto-attaques. Attention, Toto Coco Pro, c'est vrai. Il est tout seul. Mais cette cage de Cassiopeia, enfin cette. Toto Coco Pro, c'est pas fini. Il récupère le kill, mais malheureusement, toute son équipe est tombée à la base. Et j'ai comme l'impression que cette cage de Cassiopeia solo win la game. Bah oui. Que cette flaque, pardon. Oh, la très bonne TP. Oh, la très bonne TP. Très bonne TP. C'est très bien joué. Et regardez qui est en train de pistil à la base. C'est ce Ezreal. Mais c'est ce Ezreal. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit dragon de la montagne de la part de ce Ezreal là? Oh, l'arrivée de Draven. Oh, il a eu le temps de balancer l'ultime. Il... Merci Carnage. Écoutez, on va voir ce qu'on en pense l'analyste desk. Je pense que ça va être très intéressant. C'est à vous. Merci pour ça, messieurs. Tu peux un petit peu déçu de l'attitude de Chap. Sélectionner une game où il y a un Vel'Koz qui est AFK pour me diffamer pendant 30 minutes avec son compère Alderiath. Un Vel'Koz qui, d'ailleurs, selon mes informations, est sub tier 3 chez toi en plus de ça. Oui, non, mais je ne suis pas étonné. Bon, c'est faire plaisir, être présent, tout ça. Mais puis, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Es-tu fier de sa performance quand il était connecté à la game? 30 minutes de game, 15 minutes de gameplay, petit équerre dans sa base. Franchement, on kiffe. Et du coup, par rapport à sa performance, est-ce qu'on a été convaincu par ce genre de Cassiopeia qui, du coup, est un main Ziggs? Bah, en vrai, oui. D'ailleurs, comme l'ont dit les casters, lorsqu'il met sa flaque, son W, le câble Ethernet des adversaires est débranché automatiquement. Donc, le sort a l'air plutôt fort à cet elo. Tout comme on en avait déjà parlé durant un autre cast un peu fun avec Chap. La cage de Yorick est également normalement l'un des meilleurs CC et l'un des meilleurs win rate à cet elo. Du coup, pas étonné que la team du Yorick gagne, car la cage, ils ne savent évidemment pas qu'on peut la taper pour en sortir. Des choses qui m'ont... Bah, le Viego, je l'ai trouvé assez bon un moment. Alors ça, c'est pas mal aussi. Mais en fait, ça, je pense que tu vois, il y a son petit frère qui est venu l'embêter, débrancher son câble Ethernet, et du coup il a essayé de lui mettre un petit coup avec sa main et il a dû appuyer sur sa touche R, tu vois, un truc comme ça. C'est un sub tier 3 de Robaz, j'ai pu rentrer en contact avec lui. Ouais. En fait, c'est son daron, en fait, il se faisait daronnette pendant la partie, il voulait jouer, malheureusement il devait faire ses devoirs. Et du coup, ah oui, son père voulait voir le match de foot et exactement. Il pouvait pas. Exactement. Il prenait toute la co. Okay, et puis les devoirs, c'est important après tout, les études avant tout. Et écoute, une game. Et là, énormément d'APM, regarde les deux joueurs qui cliquent droit pour mettre des dégâts. Ah mais la Cassio est digne d'un des plus grands millionnaires français. Pour arriver au niveau de Faker, de Showmaker, qu'est-ce qui leur manque à ces joueurs en une phrase? Leur manque, bah déjà je pense qu'ils n'ont pas de chance. On peut voir avec le Vel'Koz, ils se font hold back par leurs proches, leurs connexions, ce genre de choses. Et puis évidemment, comme l'a dit Robala, c'est des... Par exemple là, le Ezreal, il est un peu fatigué de sa journée. Comme l'a dit Roba, back plus 10, sort peut-être d'une opération chirurgicale de 10 heures. C'est dur de se concentrer, tu vois. Genre il a plus d'énergie quand il arrive. Donc voilà, je pense que peut-être... Quand ils en auront fini, quand ils seront à la retraite, avec une meilleure connexion et les moyens du futur, peut-être qu'à mon avis, on les taguera en solo queue. Enfin, il y a des chances. Quoi. On en parle pas mal, Robala. C'est peut-être des joueurs qu'on retrouvera bientôt en Master. Bah, là, vu comme c'est parti, saison 12, 2 mois de saison, déjà 10 000 Masters. Bah, je pense que c'est des joueurs qui, dans 2-3 ans, sont Masters facilement, tranquille. Et on aura peut-être 1 million de Masters. Ouais, chose comme ça. Les étoiles de l'e-sport, les Masters de demain. On a plutôt bien débrief. Je suis assez fier de ce plateau. Merci, messieurs. Oh, Trindamer! Alors, on va voir un peu. Oh, Trindamer! Alors, bon, ça tombe bien parce qu'on a un peu des avis divergents sur Trindamer. Ah bon? Oui, moi je trouve que c'est très très OP. Bah, moi aussi actuellement. Ok, bah c'est parfait alors. En fait, d'habitude tu le dis pour troller. Oui, c'est vrai. Mais dans l'état actuel de Trindamer, Trindamer est réellement un top tier champion. Du oui, coup. Bah, il est même. À partir du moment où Trinda est pique en compétitif. Il n'y a pas la vanne. Oui, tu vois, c'est un peu comme Shaco. Quand Shaco il devient pickable en compétitif, ouais, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si tu veux, dans cette game, il sera accompagné d'un jungle qui ne joue que Comet sur l'intégralité de ses champions. Bah voilà, donc voilà, ça, il est là. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Ça, cette Yumi jungle, c'est ma fusée, enculé ça, de ta mère. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Il est là, armé, chargé, calibré, bâtard. Voilà, petit Malphite jungle, il joue l'intégralité de ses champions Comet et sans flash. Et ça, c'est... Le support de l'équipe adverse, la Yumi, déteste acheter des items. Elle déteste... Est-ce qu'elle se... Elle déteste ça. Se pose sur un allié, est-ce qu'elle en sort de la partie? Bah oui, elle a pris un ghost. Ah oui, effectivement. Elle a pris un Et ghost. Et elle a des morts. Alors, j'ai une théorie. Et pourquoi ce ghost chappe? Pour moi, alors, la théorie que j'ai eue, c'est que le ghost sert à courir plus vite derrière un mec que tu veux rattraper pour lui monter dessus. Ça fait sens. Mais c'est évident maintenant que je le dis. La game qui se lance, alors qu'est-ce qu'on a
au niveau des joueurs, est-ce qu'on a des petites anomalies? J'ai pas l'impression. Overall, à part cette Yumi Ghost Hill, on est plutôt sur quelque chose d'assez classique. Il y a absolument rien qui me choque. Hein. Et il faut savoir aussi qu'un des plus gros problèmes que nous avons subi en tant que, commentateur des étoiles de l'esport, c'est que maintenant il y a les builds recommandés, ce qui fait que les noobs n'achètent plus de la merde. Il y a les builds recommandés, LOL ne s'arrête jamais de prendre en popularité. Du coup, quelqu'un qui est vraiment étranger et qui ne sait pas du tout dans quoi est-ce qu'il met les mains, ça n'existe plus trop. Ils sont bien guidés sur le client. Mais j'ai une première question. Attends, qu'est-ce qui se passe là? La hache ADK et la Yumi accompagnent son AD carry jusqu'à la base, car il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'à cet elo, en général, le last hitting se fait de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on tape de manière ininterrompue les sbires jusqu'à que le creep meure d'un last hit ou pas. J'essaie de voir, mais est-ce que... Ah non, 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 non. Il s'appelle Lemonade Seller. C'est un vendeur de limonade, ce Tryndamere. Au début, de loin, je voyais la maman d'eux. Je me suis dit, est-ce que c'est un Français? Non, ce n'est pas un Français. Je t'avoue que cette botlane en 2v0 me rend un peu... Rien n'est joué, rien me rend un peu tristoun. Oh, 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 oh. Le revoilà. Elflow. C'est le retour de Elflow. Mais alors donc là voilà, il est de retour, il va pouvoir retourner sur sa lane, bon certes avec un petit retard, mais au moins pas de trahison de la part de son support. On reste fidèle à son ADC et ça fait plaisir de nos jours. Oh, dire, au niveau, il a déjà les 10 creeps d'avance. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Comment est-ce possible? Mais que se passe-t-il? Mais comment au niveau 1 contre 2 à niveau 3 il recule? Oui, il recule. Mais qu'est-ce qui se passe? Le flash est agressif. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que fait Omer? Mais il faut tourner sur Ajana. Il tourne sur Ajana et il veut prendre un kill en niveau 1 contre 2 à niveau 3. Il y avait un différentiel total de 4 niveaux d'avance. Comment est-ce possible? Yumi n'a même pas utilisé un sort d'invocateur. Oh mon dieu, non! Oh là là, la Ludashin! Oh, très bien joué! Le Trinda est là! Oh mon dieu, bah, je suis assez sidéré de ce que je viens de voir sur la botlane. 50 CSK à 9, hein, c'est quand même assez catastrophique. On double cancel le reset! On double cancel! Oh mon dieu! Mais j'ai jamais vu ça de ma vie! Non mais pour le coup j'ai jamais vu ça de ma vie! J'ai réellement jamais vu ça! Oui. Oh le double bump! Le double bump! C'est très bien joué! Mais c'est excellent double kill sur Yone! Mais c'est très bien joué! Il sort avec la... Ah bah non! Non! Attends, la comète, qui va prendre... La comète! Il est revenu dedans! Il est revenu dedans! Il a chill dans la zone de Cartus! Je crois qu'il n'était pas au courant pour le passif de Cartus. Eh bien écoute, maintenant il le sait, Cartus n'est pas vraiment mort quand il est mort. Oh mon dieu, l'agression te plaît, l'ulti, le Tryndamere. Oh, il fallait faire attention au burst de chaîne. Oh là, le burst de chaîne, ça n'allait... Oh, non, non, non. Oh, c'est très bien joué de la part de Tryndamere. Le Tryndamere a très bien joué cette action. Mais c'était très bien joué maintenant que tu le dis. Alors là, il vient de se faire avoir comme un bleu, comme on dit. Après, pour sa défense, je trouve les traps de Jinx very OP. Oh mon dieu! Mais c'est une incubation! L'incubation est parfaite! Par contre, il loupe tous les Q. Et pourquoi il part? Ok, il revient et ça tue malgré tout. Mais c'est très bien joué, encore une fois, on enchaîne les très bons moves du côté de cette équipe bleue. Mais c'est très très bien joué, et figure-toi que je suis extrêmement heureux d'avoir un personnage comme Yone dans la partie, parce que clairement, ça nous en fait voir de toutes les couleurs. Ah oui, c'est vraiment un défilé de mécanique. Pas de Moonstone et pas d'item lui fait vraiment plaisir. Le petit heal, l'Aeri qui met un shield, double bump, et ça ne va pas plus loin. Et on va pas plus loin, on joue safe. On ça ne va que... pas plus loin, l'ultime n'était pas là. On sait qu'on est en danger. Oh. Omer s'en va. Moi c'est pas grave, de l'autre côté, Alflou n'était pas là non plus donc. Omer s'en est allé. Omer est revenu. Ah le revoilà. Oh, il est parti se chercher une teuf. Il est parti chez Mo. Tu l'as ou pas? Elle est bonne. Tu l'as? Oh pardon. Oh mon couillon. Et vas-y, tends ton dos. Et tu l'as ou pas? Oh mon connard. Oh elle est bonne celle-ci. Oh là là. Oh mon dieu! La roquette! Non! Le beauty qui est tombé! Mais qui a laissé le petit chat? Oh yaïe aïe aïe aïe! Limonette Sailor qui va attaquer ce Yone. Interruption sur Limonette Sailor! Et là, attention parce qu'on a le scaling de ce Cartus qui, même si c'est le pire Cartus de l'histoire, en appuyant sur la touche R, va faire d'énormes dégâts. Ah oui, d'accord, ok, j'ai le début de la phrase, maintenant je peux comprendre. Donc tu parlais de la hache. Oh la flash arrow! Alors ça, c'est du jamais vu. Oh, très bon
R, très bon R, c'est un très bon R, les énormes dégâts de la Diana. Mais la Diana qui fait des dégâts colossaux, et ce Cartus en zoning qui repousse l'équipe adverse. Oh là là, il touche tout, mais le problème c'est que ce Cartus a fait un Zonia et ne l'utilise pas, donc malheureusement, c'est des golds qui sont assez mal utilisés. Oh mon dieu. Ce n'est pas un très bon move. Il s'est trouvé. Oh, allez. Le Shilbo, il a une tornade de stacké. Là, c'est le réengage. Qui arrive. Oh mon dieu. Trindamer, il est là. Oh, l'ulti pour stacker la rage. Oh, mais bien joué. C'est excellent. Mais regardez-moi cet excellent move. Oh, dommage. Aïe. S'il utilisait mieux son ulti, il ne tuait pas du tout les deux et ne finissait pas du tout la game. Pas du tout. Oh l'ulti! Mais les bons ultis s'enchaînent cette game! Il a été piteux, c'est le cas! Et c'est Janna qui se fait martyriser par le Zonia! Oh, c'est très bien joué! Oh mon dieu! Alors ça! Allez, des dégâts! Allez, full stuff avec un Medjay à 25 stacks. C'est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte. C'est vrai. Et elle a acheté un Morello qui fait un petit peu sens dans cette game. Mais ouais, cette Diana qui fait de lourds dégâts! Tu vois le petit... Oh, le très bon. Mais c'est si bien joué qu'il va récupérer le kill. Trade kill peut-être. Mais non, le Cartus ne peut pas. Le Cartus, quand il a vu ça, il s'est dit non, mais c'est si bien joué. C'est très bien joué. Et je crois que Cartus n'a toujours pas Red Smite. Oh mon dieu, l'offensive de Trindamer. Il ulti l'entrée de jeu. Double kill. La Gale Force. Oh, le R. Très bon R de Yumi. Il faut le dire. Oh, je pense que Trindamer va se faire dérouiller, il n'a plus l'ultime. Janna qui le va faire en ville, la tornade. Mais quel peeling de Janna, c'est incroyable. Une remise en question totale, un ego mis de côté, un peu de chill en plus de ça, un peu de chill. Très bonne ulti pour une l'ulti fois. L'ulti qui est pas mauvais, le flash out qui n'était pas mérité. Là. Oh, c'est si bien. Je peux t'assurer que Yone sur cette action, il s'est senti tel un ninja. Mais Yone qui a d'ailleurs fait une action très bonne en vendant ses bottes. Effectivement, pour une étape. Oui, effectivement, maintenant que tu le dis, il a vendu ses bottes pour une étoffe, il a fait ça. Acheter le Medjay à 0 stack, ça ne peut être que meilleur. Et Trindamer qui a du tap, qui a du mal, pardon, qui frappe un peu les creeps. Mais non, mais c'est terrible. Mais alors, vendeur de limonade a paniqué un petit peu, l'ulti était médiocre, les auto-attaques sur le creep c'était pas ça. Oh non, alors ça c'est une catastrophe. Oh, le très bon route. Et que se passe-t-il? Alors ça, c'était un très bon route. Oh mon dieu, est-ce que ce talon va pouvoir s'en sortir? Oui, ce talon. Sa mobilité est très élevée. Regarde-le, il fait le mariole. Oh. Attention, il sait qu'il ne meurt pas. Et là, rien du tout. Et l'armure paye, de ce lionnais. L'armure paye, hein. Mais du côté de la route, c'est pareil. L'ulti est bonne. L'ulti est très très bon, c'est excellent, ça met un double route. On va récupérer un kill. Le Yone est bien trop tranquille. Il en a récupéré. L'Elder que Shen a récupéré de son côté qui va clore la partie. Et c'est là-dessus que la partie va s'achever. Normalement, Trindamer est mort. Il ne va pas pouvoir défendre. On a 44 minutes de jeu. Je n'avais même pas vu le temps passer. Les points Gathering Storm qui, malheureusement, n'auront pas suffi. Oh, merci Carnage. Attendez, j'ai les pieds dans les câbles. C'est l'heure de faire quelques moves. J'ai fait quelques moves pour la game. Merci beaucoup Carnage. Merci à toi mon frère Rao. Une très bonne game, franchement, ce Yone qui a fourni une performance extra large avec, on peut dire, un parasite. Un véritable parasite qui lui a volé tout son XP, qui a refusé d'acheter une Moonstone et quelconque autre item. Rien du tout. Et qui n'a pas stacké son item support. Ah, c'est bien ce qu'il fait, la crème de la crème pour débriefer de cette partie ô combien incroyable. Et la première question que je vais avoir pour vous messieurs, c'est est-ce que ce genre de Yumi était un programme tiers ou un véritable être humain avec deux bras et deux jambes? Il y a eu un petit débat, ouais. Moi, je pense que c'est un mauvais bot codé pour lancer un spell aléatoirement tous les X minutes. Peut-être un être humain qui ne comprenait pas très bien comment fonctionnait son perso, mais le problème, c'est qu'au niveau 1, il a quand même acheté l'item support à 400 gold. Donc il sait quand même accéder au shop. Ah oui, il sait accéder au shop, et c'est ça le problème, en fait. C'est ça qui colle pas. J'ai peu vu du talon qui, pour moi, est censé être un noob stomper, un low-elo king. Dans cette game, était juste un cringer. Ah, je pense que c'est trop dur à jouer, Talon, à bas elo. Le proc passif, je te jure que c'est dur. Hein. Après, on a quand même un elo, il y a des mechanics qui sont assez gifted, on en a pas encore parlé, mais ce chaîne, des taunt of flash magnifiques. En fait, le problème, c'est que je pense que les gens sont pas encore prêts pour ce débat, mais je pense que le chaîne taunt flash pour juste
gap close et proc son slow du mythique. Mm-hmm. Genre il a pas. En fait, je pense que les gens qui taunt flash juste pour tout toucher le taunt, c'est un peu genre. Ils sont outdated. Ouais, c'est ça, c'était il y a deux ans quoi. Oui, c'est 13-9. Taunt flash pour gap close et proc le slow. C'est genre franchement c'est 2022. Je pense que le MVP de la game c'est clairement la Diana. En fait à Baello, si tu joues les objectifs, genre quand ils ont eu la soul, ils ont instant win la game. Ouais, Diana peut-être Shen aussi. Lyonnais était ok en vrai par rapport à l'Elo, mais c'est vrai que la Yumi lui donnait un petit peu de stats. Mais il y avait un top side assez solide de côté. Pour gagner avec cette Yumi, fallait bien qu'il y ait des dingueries en face. Le talon, c'est pour moi le lot de la game. Enfin, il était vraiment. C'était inexistant. C'était la question que j'allais vous poser. Deux CS par après minute. Le héros, qui est le lot de la game? Donc talon selon toi Marex? Ah le talon sans aucun doute. Plus que la Yumi? Non mais j'ai dit la Yumi à part, parce que Yumi on sait pas si c'est un être humain. Très bien, et toi Robalas, tu restes aussi sur talon? Si on reste un programme. Les êtres humains de la game, je pense que le talon est le roi des lots. Eh bien énorme respect à lui, merci messieurs pour ce débrief tout au long de cette soirée. Et pour toi Triton, vos analyses, le King of the Low, ils sont tous archi low. On m'a pété les couilles très honnêtement, mais peut-être des joueurs, comme on l'a dit, que l'on retrouvera en Master, Valentin pourra les proc et les jouer dans quelques années potentiellement. Deux, trois saisons d'inflation et là il y en a un qui passe. Il y en a un qui passe au moins des quatre. Le Yone, le Yone peut-être. Hein. Le Yone peut vraiment skyrocket, je pense. Merci à tous d'avoir regardé ces étoiles de l'eSport. Les rediffusions sont disponibles si vous avez loupé ça. Passez une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous. Salut les viewers.